danseuse devant des gens, leur montre. Je rigole comme faire genre que tout va bien, mais je crois que je ne m'aime pas les gens. Bon, allez, là je suis. C'est ça, ça m'a un spectacle. Thank you.
avec l'avion, en direct du pont de Montvert pour France aux airs. Alors, on vient de m'annoncer qu'un homme vient de tomber à la rivière. C'est incroyable. On est ici pour couvrir l'événement pour vous. A priori, cet homme est un inconnu. Est-ce que quelqu'un ici connaît cet homme? Il n'a pas l'air de savoir nager. Non, il n'a pas du tout l'air de savoir nager. C'est tout à fait inquiétant. On est ici pour couvrir la situation pour vous. Ce soir, Clarion pour France aux airs. En direct, cet homme a l'air d'être dans une incapacité totale de pouvoir se sortir de ce dilemme. Je vois qu'il y a du monde sur les rives. Mon Dieu, je crois que nous allons assister en direct à une noyade. C'est tout à fait incroyable. On va couvrir ça pour vous ce soir. De retour ici en direct pour vous, Clarion, sur le pont de Montvert pour François-Joseph. Il est à bout de force, il est en train de se noyer. Ça y est, je crois que c'est terminé. Nous allons assister en direct pour vous à une noyade. C'est incroyable. Je suis ici pour vous, pour couvrir cet événement. Est-ce que quelqu'un a l'air... Non, il va mourir sous nos yeux. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Il va mourir sous nos yeux. Incroyable. On est là pour couvrir pour vous. Carnage sans idée, pas de carnage. La chute infinie là. Oui, ok. Oh, dis-moi pas de ta faute. Oui. Bah, pas d'idée aucune en fait. Plus jamais. J'ai chuté ou volé quoi, mais tranquillement. Comme la vie, comme le temps, la vie. Je chute et je vole. Tranquillement, merci, rapidement. Ok, elle soit non automatique. Et comme la vie qui chute. Si, et c'est un tol. Et la réalité, la réalité de la chute qui tombe. Oh. Et pourquoi pas la réalité de la chute qui vole? Moi j'ai aucune. Ok, et pourquoi pas tomber en volant? Moi j'ai aucune idée, alors pourquoi pas voler en tombant? On peut essayer? Thank you.
chaque jour, comme au premier jour, elle s'envole. Et je suis. La chute, la grande chute dans le vide, le saut de la mort, le saut dans la vie, à fond de train. Ne plus craindre, juste sauter, sauter du haut des cieux vers un monde nouveau, chuter encore plus vers soi-même, vers ses rêves, au cœur de notre vérité. Sauter dans l'aventure de notre vie, à fond de train, sans jamais s'arrêter d'être attiré par la gravité, celle de notre propre cœur, de notre soleil intérieur. Je chute vers le plus profond de moi-même. Je chute vers mon être intime, le vrai moi, ce que mon cœur rêve de vivre et d'expérimenter, c'est à moi de lui donner, aujourd'hui, à chaque jour. Tomber un peu plus proche de soi à chaque fois. Tomber un petit peu plus proche de soi à chaque fois et s'aimer un peu plus chaque fois malgré les chutes.
chuter, c'est s'effondrer, se briser, tomber en mille morceaux. C'est vouloir devenir une plume alors qu'on est un rocher. C'est dégringoler à toute vitesse sans qu'on ait rien pu voir venir. Chuter, c'est s'écraser, devenir tout petit. Pour un moment, accepter l'humilité de n'être rien pour finir par faire partie d'un tout. Chuter, c'est tomber des nues. C'est affronter ses peurs en face. Être dans l'ignorance de l'atterrissage tout en sentant aller vers lui. Cogner un mur, se faire mal. Chuter peut être agréable. La chute d'une dictature ou encore une chute d'eau. Chuter est synonyme de renaissance, de renouveau. La fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Faire chuter les inégalités, renverser les disparités sociales. La chute économique facilitera-t-elle la disparition d'un système capitaliste qui nous fait tous chuter? La chute des corps suit une dynamique hors du spectacle. Mais quelle sera la chute de ce dernier? Chuter, oui, mais pas sans bruit. Merci d'être là. Merci à tous que le spectacle vivant reste vivant.